Salut, 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 j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Enfin, super bien. Pour ceux qui ont suivi, je vais plutôt dire que ça va mieux. En tout cas, pour toi, ça ne change pas. Si ça ne va pas, comme d'hab, sur notre chaîne, ça va aller. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à partager la chaîne. En attendant, les gars, vous l'avez vu dans le titre, avec cette chaleur de ouf, mais étouffante. Non, parlons sérieux. Avec cette chaleur étouffante, je vais vous proposer un petit haul shame. Parce qu'en plus, je pars bientôt en vacances et tout, avec les enfants et ma soeur. Donc, petit haul shame, tranquille ou bilou. Il fait chaud, je parle pas trop. C'est parti pour le haul. En nous, allez. Les gars, est-ce que vous avez vu à quel point il fait chaud? À quel point la chaleur est tombée sur nous? Genre là, je vous explique, mon dos coule, le vêtement est déjà mouillé sur moi. Ah non, c'est une galère, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé de mieux que d'aller faire un bain d'huile dans mes cheveux sous ce foulard, sous 40 degrés? Non, je te laisse aller dire, Tracy, tu es maman couillonne. Oui, non, parce que des fois, je sais que vous avez envie de dire. Dis dans le commentaire, Tracy, tu es maman couillonne. Oui. Bon, je vais commencer par vous montrer. Bon, ça fait pas hyper été de ouf, mais j'ai pris un petit haut, fin comme ça, mais à manches longues. Fin comme ça, avec des manches longues. Parce que vous savez, des fois, le soir, il y a un petit vent frais, des fois, on sait jamais. Au lieu de mettre une veste et tout, je me dis, bon, un petit haut comme ça. Ça peut toujours faire l'affaire. Ensuite, on va rester dans les hauts et j'ai pris ce petit haut-là, asymétrique. À la caméra, il paraît hyper, enfin, il paraît plus clair que ce qu'il est réellement. Donc, j'ai pris ce petit haut asymétrique comme ça. Et franchement, j'aimais beaucoup. Je me disais que franchement, avec un short d'ailleurs, en parlant de short, j'en ai pris aussi. Avec un petit short, ce haut, franchement, je pense que je vais bien le saigner cet été. Plutôt pas mal. Alors, ensuite, bon, on va rester dans les hauts, comme je vous ai dit. J'ai pris ce dos nu là. En gros, il est kaki et c'est un petit dos nu. Comme ça. Et au niveau du bas, il descend en triangle. Tu vois? Après, tu peux aussi très bien le porter et l'attacher derrière. Et le porter en... sans bretelles, sans rien. Sinon, de base, c'est un petit dos nu. Il est hyper léger. Après, il est transparent. Mais bon, il n'est pas transparent de ouf. Tu vois? C'est pour l'été. Si en dessous, tu as ton maillot de bain, ça passe. Quoique au niveau de la poitrine, il y a une doublure comme ça. Donc finalement, en vrai, ça passe. Mais du coup, j'aime bien. Il est léger. Pour ceux qui veulent se référer à la taille, moi personnellement, je prends S. Et au niveau des bas, je fais 36-38. Ça dépend de comment c'est, bah, du style du bas et tout quoi. Donc du coup, voilà. Ensuite. Alors attendez. Oh, celui-là, je l'adore. Ce haut. Ce haut-là, je l'adore. Avec les petits... attendez, je vous montre bien. Regardez comment il est. Avec les petits trucs là, j'adore ça. Et en fait, je pensais qu'il allait faire... tu sais, qu'il allait donner chaud et tout. Mais franchement, j'avoue, je mens pas, je l'ai testé vite fait. De toute façon, vous allez voir que je l'ai mis. Et de l'autre côté, il est comme ça à l'intérieur. Il n'est pas de la même matière, c'est assez doux. Les bretelles, franchement, elles sont fines, mais j'ai kiffé. Et je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas lisse. Hein. Voilà, là, vous voyez un peu mieux. Ça, pareil, petit short, petite claquette, et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai pris un autre haut. Ah ouais, après, il en reste un haut, je crois. Après, on va passer aux autres. Ce petit haut-là, attends, il est taché ou c'est... Non, c'est ça. Ok. Un petit haut rouge, comme ça. Bon, en vrai, pour tout vous dire, je pense qu'il va plutôt finir pour Maëlys. Mais bon, bref, j'ai pris ça. Un petit haut rouge, simple, hein. Rien de bien compliqué, hyper basique, rien de bien spécial à dire sur ce haut. Dernier haut. Ah, je l'imaginais pas comme ça la matière. J'ai pris un haut comme ça avec des petites fleurs dessus. Un t-shirt, hein, franchement. Avec, vous savez, les manches là. Au niveau des épaules, c'est un peu bouffi comme ça. Un peu bouffant. Mais au niveau de la matière, je l'imaginais pas comme ça. Je sais pas, il m'a l'air lourd le tissu. Je sais pas comment vous expliquer. Après avoir porté, mais il m'a l'air lourd. Bon bref, petit décolleté, ici. Après, vous pouvez toujours mettre un point si vous trouvez que c'est trop décolleté. Mais ouais, sinon, petit linge d'été, vite fait, tu mets ça, petit short, pareil, petite claquette, petite jupe. Ça peut toujours faire l'affaire en été, mais ouais, je suis perturbée par le tissu.
Enfin, je sais pas, il est hyper coton, mais je sais pas comment vous dire. Hein. Il va peut-être me donner plus chaud que ce que je croyais. Bon, au niveau des hauts, pour chaîne, c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite, pour les robes. Robes, combi, ou je sais même plus. En vrai, il y a des trucs. Parce que j'ai pas ouvert, à part le haut que j'aimais trop, là, le beige, là. J'ai pris une robe blanche, dos nu, comme ça. Oh my god. Je vous montre vite fait les détails des boutons derrière. Derrière, ça s'attache comme ça au niveau du cou. Et du coup, c'est une dos nu, blanche. Transparence. Ouais, elle a l'air transparente, je pense. Hein. De toute façon, à voir porter, mais je l'adore. Elle est hyper belle. Elle a l'air bien. Tu vois ou pas? Petite sortie, je sais pas moi. Tu vas au resto, tu sors. Cet été, tu vois, petit truc le soir ou quoi. Petite robe blanche. Petite. Vous savez, les sandales, mais à talons, là, tu vois? Pas sandales. Après, tu peux mettre avec sandales à plat, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Prochaine robe. Alors, oh, celle-là aussi, je l'aimais bien. En fait, la couleur, quand je l'ai vue. Oh my god, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Du coup, j'ai pris. J'ai montré à Maëlys, elle m'a dit non, oh bof, j'aime pas trop. Non. Bref, moi j'aime bien. Du coup, petite robe comme ça, que je suppose que tu dois attacher derrière et tout. Tu passes dans le cou. Et franchement, j'aime bien. Ici, c'est, vous voyez, c'est retroussé un peu sur les côtés là, histoire que ça te galbe et que ça te fasse une belle silhouette sur les côtés. Ça fait ça des deux côtés et. Ouais, là, franchement, j'aime bien la couleur. Hein. Pareil, au niveau de la poitrine, il y a la doublure. Donc, non, franchement, j'aime bien. Ensuite, ah oui, parce que c'est bien beau d'être là, caliente, des vêtements qui te collent et tout, machin, pour être un peu, tu vois, sexy et tout, machin. Oh, je transpire, c'est une horreur. J'ai pris cette combi short. J'ai pris ce combi short là. Donc, du coup, avec des motifs comme ça, là. J'ai pris, je trouvais que ça faisait bien avec les petits détails là. Attendez, je vais retirer ça. Les petits détails comme ça. Et je trouvais que c'était hyper beau. Tu vois ou pas? J'aime bien. C'est ample, fluide, ça gratte pas. Non, franchement. Joli combi, joli combi. Et le bas, du coup, c'est pas pareil. Vous voyez, le bas, c'est plutôt des petits. Des sortes de petits pompons comme ça là. Le bas, c'est plutôt comme ça. Prochaine tenue. Alors, on continue. Là, j'ai pris une robe longue. Je vous explique, je fais 1m61. OK? Donc, des robes longues, assez belles, à ma taille, c'est une galère à trouver. Franchement, non, la team petite, là. La team 1m60, 65, allez, on va dire. Non, franchement, c'est une galère à trouver. Mais là, elle n'est pas si longue. Donc, celle-là, c'est une robe comme ça, pareil, dos nu. Toujours la même chose, dos nu comme ça, sauf que celle-là, elle a une fente. Ici, en fait, elle est fendue, vous voyez ou pas? Du coup, elle a une fente de chaque côté. Ça, c'est vraiment une robe vraiment d'été et tout. Et pareil, elle est hyper, hyper légère. Et la couleur, j'aimais bien. Vert comme ça, franchement, archi belle. Ensuite, prochaine tenue, qu'est-ce que j'ai pris? Encore dans les robes. Alors là, c'est plus une robe ultra moulante, tout ça. J'ai pris une petite robe comme ça, archi simple. Attendez, je vais me reculer, vous verrez mieux. J'ai pris une robe comme ça, là, bleue, rayure et tout. Franchement, j'aime bien. Pareil, elle est légère et elle est pas. Bon, après, elle est moulante et tout. Hein. Et au niveau des bretelles, vous pouvez régler. Donc en fonction de votre poitrine, de votre taille, de tout ça, vous pouvez régler. Et devant. Vous voyez, devant, c'est retroussé un peu ici. Donc, franchement, j'aime bien. Après, à voir si ça fait pas trop court une fois porté. Mais de toute façon, vous aurez les images là, donc vous verrez tout. Mais franchement, j'aime bien. Un petit bleu comme ça pour cet été, franchement, super joli. Dernière robe. Oula, rien que je la prends, la robe. Je sens que je vais avoir chaud. Je sais pas comment vous expliquer, ou c'est parce qu'elle est. Ah non. Non, en fait, c'est parce qu'elle était pliée et elle avait l'air archi épaisse. Alors, dernière robe, c'est une robe rouge avec des petits motifs dessus. Je ne saurais pas vous dire franchement ce que c'est comme motif, ce que ça représente, mais bon, c'est des petites taches. Franchement, j'aime beaucoup. Et celle-ci, pareil, elle est ouverte là sur les côtés. Donc en fait, elle se présente comme ça. Elle n'est pas si longue, hein. Regardez, je vous ai dit, moi, je fais 1m60 et sur les côtés, elle est ouverte. Donc franchement, non, j'adore.
Et elle, c'est pas une fente comme l'autre, hein, par contre. C'est vraiment, elle est ouverte, vraiment là, là. Sur les côtés, petite ouverture. Sexy cet été, tac, tu vas boire un verre, petite terrasse. Toi-même, tu sais. Alors, ensuite, là, on va passer au short. Et après, vite fait, quelques accessoires. Je vous ai dit, c'est un petit haul, hein. Pour Shane, j'ai pas. Pour les autres sites et tout, j'ai pris plus. Mais là, pour Shane, franchement, ça va. Alors, on passe au short. J'ai pris. C'est quoi qui est tombé? Ah, un petit papier. J'ai pris un short comme ça. En jean, franchement. Simple. Basique, un peu effet déchiré en bas et tout. Et pareil, hein, je vous ai dit, là, j'ai pris quoi? Ouais, là, j'ai pris 36. Celui-là, c'est du 36. Après. Juste à préciser, c'est pas stretch ici. Hein. Vous voyez ou pas? Donc vraiment prenez votre taille parce que c'est vraiment, vraiment pas élastique, mais du tout. Même pas un peu. Donc j'ai pris celui-là. On poursuit encore avec un short. Short blanc, basique. Ah, j'ai oublié d'enlever les... Un petit short blanc, basique comme ça. À la seule différence, c'est que donc en dessous, il est plié. Il est avec un ourlet là. Petite écriture à l'arrière, voilà. Petit short simple. Par exemple, avec le haut là que je vous avais montré là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré ce haut là là. Mais je pense que je vais faire avec ça en plus. Hein. Ce petit short, ce petit haut. Alors, prochain short. J'ai pris un petit short comme ça. Beaucoup plus fluide. Parce qu'après, c'est des shorts en jean. Là, c'est le. J'ai pris un short beaucoup plus fluide. Vraiment matière hyper légère. T'es grave à l'aise. Il y a la ceinture qui va avec. Donc, du coup, vous le passez comme ça. Clac. Et il est, lui par contre, il est hyper élastique. Hein. Vous voyez, c'est les shorts qui sont... Franchement, non, vous êtes grave à l'aise avec ça. Hein. Avec, ah oui, et en plus, je viens de réaliser bah, que dans ma commande, il y avait des chaussures, des petites sandales et tout, et que là, je ne les ai pas. Bon, je verrai ça. Mais en tout cas, au pire, je vous les mettrai en story Insta. Je vous montrerai une fois que, si ça arrive, s'ils s'en rendent compte, mais bon. Alors, on poursuit. Prochain short. Un petit short en jean, pareil, comme ça. Ouais, par contre, Shane, les shorts, ils sont pas... Ou je sais pas si c'est pas moi qui... Si c'est moi qui ai pas fait gaffe. Mais vraiment, le short, il est pas... tu vois? Ouais, prenez vraiment votre taille. Hein. Ouais. Bon, du coup, petit short, simple, en jean, mais beaucoup plus clair. Vous voyez, c'est pas... J'ai pas pris les mêmes jeans, comme ça. Ensuite... Dernier article et après ce sera vite fait 2-3 accessoires. Encore un short. Lui il est pas blanc par rapport à l'autre. Attendez, je vais bien vous montrer la différence. Lui il est plutôt crème. À la caméra vous le voyez blanc, mais en fait non, il est plutôt crème par rapport à lui. Attendez, je vais les approcher, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez ou pas? Là ça fait beaucoup plus crème ici. Lui il est beaucoup plus blanc. Donc du coup j'ai pris celui-là. Lui par contre, ouais non. Lui j'ai pris en combien? Lui, c'est du 38. Donc, ouais, je me disais aussi. Hein. Donc, j'en ai pris un. Je vous ai dit, des fois, je fais 36 ou des fois 38, ça dépend. Donc, du coup, voilà, voilou. Ensuite, oh, mon maillot de bain. Ah oui, avant le maillot de bain, j'ai pris aussi ce petit haut-là, un espèce de petit bandeau que je peux très bien mettre aussi avec, bah, avec un short, des petites sandales, vous savez, pour être à l'aise, vite fait. Il est bah, hyper élastique, hein, il est comme ça. Maëlie, je lui ai pris la même chose, mais pas comme ça, en fait. Elle a les mêmes motifs. Sauf que elle, il est... attendez si je vous le trouve... Maëlys, elle, je lui ai pris, mais en comme ça. Vous voyez? Mais c'est à peu près les mêmes motifs. Par contre, c'est pas la même, c'est pas la même matière. Du coup, je me suis pris ce petit haut-là, vite fait. Et pour finir, en ce qui concerne les vêtements et tout, j'ai pris un maillot de bain. Il est magnifique. Mais vous voyez pas bien à cause de... Attendez, je vais voir si en enlevant vite fait la lumière, je vais la tourner vite fait pour que vous puissiez voir la vraie lumière, la vraie couleur. Hop là. Voilà, vous voyez ou pas? Il est archi beau. J'ai pas encore vu au niveau de l'échancrure, est-ce qu'il est grave échancré et tout. Mais en tout cas, j'adore le drapage devant et tout. Le truc au niveau de la poitrine ici. Non, franchement, je kiffe. Hein. Pour terminer le haul, on va passer aux accessoires. Pour les accessoires, j'ai pris deux sacs. Alors, lui, je vais m'approcher parce que vous n'allez pas bien voir. Regardez la matière, il est comme ça. Il est tout petit, il est tout cute. Et en fait, il est vendu avec une anse comme ça. Mais comment vous dire? En fait, j'aime pas. Je le porterai pas avec la anse parce qu'elle fait trop chaîne. C'est archi fin. Non, mais regardez comment c'est fin. C'est hyper fin et je sais pas comment vous dire en fait.
je suis pas fan avec. Donc du coup, soit je vais changer de anse, je vais peut-être en trouver une qui va mieux avec. Donc du coup, voilà, j'ai pris ce sac là, comme ça, petit sac de plage en tissu. Franchement, j'aime bien. Et là, c'est effet cuir, genre là, vous voyez. Du coup, j'aime bien. Non, j'aime beaucoup. Il est large et tout, petit sac tranquille pour aller à la plage. Franchement, j'aime bien. Tu peux mettre, franchement, tu peux mettre, en termes de contenance, vous pouvez mettre pas mal de choses, hein, regardez. Donc franchement, petit sac comme ça, vite fait pour les vacances ou autre. Moi, il y a rien qui me serve, mais pas que pour les vacances. Donc, voili voilou. Ensuite, dernier accessoire, j'ai pris trois paires de lunettes de soleil. Alors, bon, après là, je vais pas les porter en plus avec comment je suis et tout, ça va pas leur rendre justice. Donc, première paire, j'ai pris, attendez, j'ai posé celle-là, j'ai pris cette paire-là, je la trouvais magnifique, mais je la trouve toujours magnifique. Elle est hyper belle, attendez, je vais vous montrer de ce pied. Vous voyez ou pas? Franchement, j'ai pris celle-là, j'aime beaucoup. Ensuite, prochaine paire, j'en ai pris une comme ça. Une petite paire de lunettes comme ça. Celle-là, bah aussi finalement, en fait, je voulais montrer porter parce que... Du coup, voilà, celle-là, elle donne comme ça. Ah, mais j'aime bien. Hein. J'aime bien comment ça rend. Et dernière paire. Ah oui, puis je précise, les paires de lunettes, ils vous les livrent dans une pochette vraiment pour lunettes. Et vous avez même l'essuie à lunettes en dessous, dedans. Et dernière paire, j'ai pris celle-là. En vrai, celle-là, je les ai prises. Je sais pas si ça va le faire. Mais je les ai prises, j'aime beaucoup le détail, là, comme ça, ici. Le petit, vous voyez pas bien, mais bon, voilà. Le petit détail doré sur les côtés. Et l'effet bleuté quand tu les portes, j'aime bien. Attendez, je vous montre ça. Vous voyez ou pas? Oh my god, coiffé avec des big créoles. Donc, voili voilou. Eh les filles, j'avais complètement oublié de vous montrer ce body aussi que j'ai pris. Il est juste magnifique. J'avais complètement oublié de vous montrer ça, mais il est juste trop beau. Et la matière, franchement, c'est le matière maillot de bain. Il est hyper, hyper stretch. Ouais, c'est le matière maillot de bain. Et franchement, il y a possibilité que je l'utilise comme un maillot de bain. Bon, ben voilà les gars, le haul, il est terminé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé les achats que j'ai faits. J'ai hâte de recevoir mes prochaines commandes et tout, de recevoir aussi les chaussures, les autres articles et tout que j'ai recommandés sur les autres sites. Dites-moi ce que vous avez pensé. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des articles que j'ai commandés dans la barre d'infos. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller prendre une douche. Il fait chaud, c'est horrible. Gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.